Amateurs de football, vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com. Bengals. Yeah, I love the Bengals. Love the Bengals. Love Joe Burrow. Yeah. They peaked in 1970. And Over the cheese. Okay. Okay, so Alex Earl's boyfriend. That's the Dallas Cowboys. That's no. Dak Prescott. I wouldn't want to be a table around them. He will go on fourth every time. He just yeah. don't care. Great like he's coach. like me if I play the NFL on my phone. I know that they used to kick the Super Bowls ass for a consecutive like maybe like three to four years straight with Tom Brady. And then what happened? <laughs> my favorite actor is a fan of theirs. Oh. They got rid of Kirk Cousins and they shouldn't have. They have David Carr is what I know about them. They got rid of Kirk Cousins and they shouldn't have. <laughs> I don't know that one I either. That one yeah. Either. If you could describe their team in three words, what would it be? Uh, going downhill. Uh, Eli Manning, for so sure. That's pretty much it. I don't know who those guys are. I don't know who they are either. I'm terrible at this. I'm, I'm not so bad. They have fans. I love the Titans. I do too. Best team in the AFC South. They're from Tennessee. Me and him. So hey, go Titans. They've been really good lately. I like your quarterback. Their fan base is awesome. Good fan base. You were here for the draft. This place was like Times Square on New Year's Eve. Mesdames et messieurs, voici votre animateur, Tony LeBlitz. Comment ça va, la gang? Oh boy! Yes! Yes! Sentez-vous, sentez-vous l'énergie du dévoilement du calendrier. Incroyable. Bon lundi, toute la gang, ici Tony LeBlitz, en direct du studio. LeBlitz en à Montréal. En ce lundi 20 mai, fête des Patriotes. Non, pour les Patriots la Nouvelle-Angleterre. Les autres. <laughs> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? <laughs> yeah, baby! <laughs> aïe, 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 aïe. Hey, journée fériée, journée congé pour plusieurs. J'espère que vous avez profité de cette belle, belle, belle journée. Euh, je sens que les gens sont encore dehors. Ça me surprendrait qu'ils vont écouter le Blitz NFL, mais ils vont nous réécouter en rediffusion, hein? Donc, on salue la gang qui nous écoute en rediffusion, nous regarde. Merci d'être là en ce lundi euh, 20 mai avant dernier stream de la saison 3 de Le Blitz NFL sur Twitch. Wow, waouh, 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 wow! Oui, 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 oui. Ce soir, on va analyser le calendrier NFL 2024 qui a enfin été dévoilé. Hein? Ça a pris du temps pas à peu près. Donc, euh, en tout cas, euh, <laughs> merci Sexy Jimmy. Euh, Sexy Jimmy, c'en est un qui, euh, qui est dehors, qui m'écoute. C'est le fun, ça, c'est bon. <laughs> c'est bon. <laughs> écoutez toute la gang, on salue tout le monde. Donc, où que vous soyez et quelle que soit la manière dont vous nous écoutez ou vous nous regardez, merci. Merci de faire partie de cette belle journée avec moi, Tony le Blitz. Donc, euh, oui, avant-dernier euh, stream de la saison 3 au mois de juin, mois de juillet. C'est la tradition de Tony blitz sur Twitch. On va prendre congé, on va prendre un break de Twitch. On continue à travailler dans notre vie professionnelle. On va continuer à suivre la NFL. Et, euh, et euh, on va se préparer pour la prochaine saison qui va. Euh, on va être de retour au mois d'août. Donc, le premier lundi du mois d'août, on devait être de retour. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Les camps d'entraînement vont, vont avoir euh, et, et été débutés. Euh, donc, on va se on va sentir euh, euh, de plus en plus le début de saison. Donc, euh, oui, on va, on va se remettre à jour. On va répéter certaines affaires qu'on a parlé jusqu'à maintenant parce qu'il y a bien du monde, comme je vous, ai, je vous ai mentionné, il y a bien du monde qui, après Super Bowl, nous écoute plus ou moins. Puis au mois d'août. Bang, tu sais, ça sent le retour du football. Donc, qu'est-ce que Tony le Blitz, va dire, puis tout ça. Fait, on va être de retour au mois d'août pour se préparer tranquillement. Le mois d'août, ça va être les matchs pré-saison. Euh, ça ne sera pas, euh, on ne souhaite pas des blessures. Donc, tu sais, je veux dire, avec la cédule qui est sortie là, on souhaite beaucoup pas de blessures, ok. Entre autres. Entre autres, les Jets de New York. Ça c'est chier, c'est chier, c'est plus que chier! Oui, 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 les Jets sont encore de retour en prime time. Là, je ne comprends pas, mais on va en parler tantôt. Fait que d'ici là, la gang, incroyable, bon retour à Fortinoza. Après deux semaines d'absence avec nous, il est de retour. Il vient au bon moment parce que, comme j'ai mentionné, ce soir, c'est l'une de mes, je dirais, mon top 3, une des top 3 émissions euh, stream que j'aime faire avec vous sur Twitch. Euh, donc, euh, on va tout regarder les faits saillants euh, du calendrier, les matchs à surveiller. Vous allez avoir mon top 10 des matchs à surveiller pendant, pendant la saison. Que, comment, ça, je veux dire, tout, comment ça a été euh, fait ce calendrier-là? Euh, on va même je vais vous présenter même un tableau qui, qui indique le nombre de kilomètres parcourus. Donc, vous allez voir les cinq équipes qui vont voyager le plus. Et les cinq équipes qui vont voyager le moins. Donc, euh, on va regarder tout ça. Il y a quelques équipes qui va être vraiment intéressant. Puis, pour faire plaisir à, à mon monde qui sont là, là les grands fans de Bless NFL, on va parler des Chiefs. On va parler des, des, euh, des Cowboys. Tabarnouche, ouais. t'as été vite à répondre, Bouh. Les Cowboys. Euh, les anti-Steelers. Excuse-moi, Sexy Jimmy. Il faut que je parle des Steelers parce que vous allez voir. Tout un calendrier qui ont euh, tout ça. Donc, Big Will is in the house, fan des, fan des Chiefs. Merci d'être là. Wolverines, fan des Patriots. Donc, c'est sa journée. C'est la fête des, des Patriots. Il est super. It's time. Merci, Bruce. Merci, Bruce. Bruce qui dit, là, là c'est le temps. Déniaise-toi si tu veux fener à l'heure. <laughs> hey, Inquiète-toi pas, mon Bruce. Tout est calculé. Euh, Virginie is in the house, fan des 49ers. Oui, on va parler aussi des 49ers. Euh, euh, sexy Jamie qui dit aussi qu'il qu est dehors et qui a même dit qu'est-ce qu'il a dit Il dit il s'en va, va, je vais aller t'écouter dans ce spot tantôt. Hum, mmh, tabarnin. Euh, ouais, trop de détails, mon. mon <laughs> trop de détails, mon Sexy Jamie. Tu peux aller au spot quand tu veux, mais écoute, tu attends jusqu'à 8h30, tu vas pouvoir transférer à d'autres streams. Là. Il y a, il y a des personnes plus intéressantes à suivre quand tu es dans ton sport. <laughs> yeah, baby! Yeah. DJ MV is in the house. Comment ça va, fan des Seahawks? Merci d'être là. Je vous adore tellement. Vous êtes là. C'est comme à l'école. Vous êtes là l'heure. Vous savez, hein? Vous savez que mon heure et corps est vraiment rempli. Il y a beaucoup d'informations. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez nous réécouter par la suite sur les plateformes podcast. Et aussi sur Twitch pendant quelques jours. Et tous nos vidéos de, Switch, de Twitch sont disponibles sur YouTube. Euh, Burger Time, hey comment ça va, Fan des Packers? Ouais, ça brasse. qu'est-ce qui se passe dans Belle Chasse? Gros déluge. Euh, Pascal Meta, comment ça va? Est-ce qu'ils peuvent finir par couler les jets, s'il vous plaît? Ouais, je ne comprends pas celle-là. On va en parler tantôt. Euh... Okay. Ta -ta -ta, ta -ta -ta. Bon, bon. Burger time. Oh, Big Will qui veut joindre à Sexy Jimmy. Mm, un peu trop. Un peu trop de. Euh, un peu trop de détails, les amis. <laughs> What <the f> <rire> 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 Donc, ce soir, on va regarder vraiment les faits saillants. Le, la 105e saison de la NFL va débuter. Le 5 septembre prochain. Donc, euh, on a finalement déterminé les 272 matchs qui vont se jouer pendant la saison jusqu'à la saison régulière va se terminer le 5 janvier 2025. j'ai une petite ici, là. Ça, ça, paraît que, ça paraît que ma, ma, ma coiffeuse est en congé aujourd'hui dans le studio. J'ai dû me maquiller tout seul. <laughs> Come on, man! En tout cas, bref, c'est cela. <laughs> en tout cas, il a fait beau et chaud, hein? J'aurais au-dessus de 30, température ressentie. On a parti la cuisine. La cuisine. La piscine. Et on va être prêt pour nos petites vacances prochainement. Euh... Donc, on va tout savoir quest ce qui se passe dans Bellechasse, finalement. Fait que c'est ça. Donc, euh... Euh, Donc, ça va se passer. Euh... Donc, on va regarder tout ça et. Plus tard, mon top 10 des matchs à surveiller selon le calendrier euh, qui a été dévoilé. Donc, je vous ai dit que ça va commencer le 5 septembre entre les Chiefs et les Ravens, les Chiefs qui vont accueillir les Ravens à Harrowhead. Euh, euh, ça a un autre nom, là, le nom de, de commanditaire, mais on appelle tous. Le Arrowhead, donc les champions du Super Bowl, deux fois consécutifs, vont hisser la bannière des champions et sont en destination pour un three-peat. Donc, les Chiefs essayent de remporter un troisième titre consécutif qui n'a jamais été fait dans la Ligue nationale de football. Hein, mon Big Will, as tu hâte de voir ça? Yeah, baby! <laughs> Donc, c'est ça. Donc, ça se termine le 5 janvier 2025. Le, la semaine d'après, le 11 janvier, on commence le Super Wild Card Weekend. Donc, six matchs. Donc, vous le savez, il va y avoir des matchs le samedi, dimanche et le lundi. Après ça, la semaine d'après, c'est la ronde de division. Euh, donc, euh, et le 26 janvier, c'est le championnat AFC et le championnat NFC. Le dimanche 26 juin. Et tout le Super Bowl va avoir lieu. Ça va se terminer le 9 février 2025, le Super Bowl qui va avoir lieu à Nouvelle, en Nouvelle-Orléans, au Caesars Superdome, domicile des Saints. Donc, euh, le Super Bowl 59, les amis. Yes, 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 yes. Poutine Graysers in the house. Lui, il est super content. Il a fait chaud, où ce qui est, 29 degrés. Et fan des Cowboys, donc 29 degrés plus fan des Cowboys, ça risque d'être une journée très rare que, qui, qui se passe, mais on souhaite bonne chance aux Cowboys pour la semaine prochaine. Les Chiefs vont jouer 6 jours sur 7. Ben oui, Pascal Meta, tu veux-tu faire mon show? What the f <laughs> Il, il, parle, il, il lance des petites. Pascal Méta, c'est comme mon, mon insider, là, le, le producteur dans une émission qui te parle dans les oreilles. Hey Tony, n'oublie pas de dire ça, ça, ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai tout, tout un programme devant moi. En tout cas, je vous défie, c'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, là, mais les grandes nouvelles pour ne pas écœurer tout le monde vont être dévoilées ce soir. Le GA Stadium. Ouais, merci, Big Will. J'en reviens juste pour ça, ouais. Bon, il sort même une excuse. Tu sais, j'en parle, puis tout ça. Mais c'est ça, l'affaire, c'est parce que... Écoutez, ben, on va aller voir... Euh, on, on se prépare, là. On va commencer à voir... Euh, on, on, on va parler de, euh, du, des faits saillants de ce calendrier-là. Pascal mon m'a craqué. On est aussi bien d'en partir tout de suite, hein? Ok, il y a eu, il y, y a eu un gros déluge, c'est ça, à Bellechasse. Belle tout le monde a coulé dans le piscine, c'est ça l'affaire? Excusez-moi, moi, moi j'écoute plus les nouvelles. <laughs> Donc, l NFL, euh, j vous, j vous la NFL, je vous invite d'aller voir la nfl.com ou c'est YouTube, tout ça. On commence de plus en plus à regarder euh, comment la, cédu la cédule se fait. C'est quand même impressionnant. Euh, la NFL utilise les, les services AWS d'Amazon, donc un grand système de base de données, de, 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 de comment on dit ça, là, informatique qui va aider à sortir les, euh, les, euh, les, les, les possibilités de calendrier. En tout cas, avec euh, 32 équipes, puis tout ça, il y a eu des possibilités en plus finies. On dit euh, quadrillion en anglais. Donc, euh, puis avec toutes ces possibilités-là, il faut sortir l'horaire, la cédule quasi parfaite pour répondre à tous les 26 000 facteurs qui sont à considérer. C'est quoi tous ces milliers de facteurs à considérer lorsqu'on dévoile un calendrier, lorsqu'on finalise un, un calendrier? Premièrement, il faut connaître la disponibilité du stade, tout, toute la question du voyagement. En plus, il va y avoir cinq matchs. Au niveau international. Donc, il faut regarder aussi tous les matchs en prime time. Donc, le jeudi soir, le lundi soir, le dimanche soir. Il faut tout considérer ça. Il faut assurer quand même un bon calendrier au niveau de la compétitivité, là, dans le sens, l'adversité, là, dans le sens que tu joueras pas quatre matchs de division de suite. OK? Donc, euh, c'est toutes des choses qu'il faut toutes considérer pour dire Hey, ça marche pas cette affaire-là Et aussi les rivalités entre les divisions. Comme vous le savez, écoutez, dans la dernière semaine, pour euh, je ne me souviens plus si on a fait ça depuis quand? Je pense que je l'ai écrit dans une de mes dans un de mes tableaux. Mais euh, depuis quelques années, la… 18e semaine, ce sont tous des matchs de division. Donc, les gens s'affrontent entre les divisions pour assurer, euh, pour que le calendrier et les, les euh, comment on dit ça, les classements soient euh, pris en note et qu'il y ait un genre de rivalité, de compétition. Il y a de la compétition jusqu'à la fin. Okay? C'est pour ça, des fois, là, on, il y avait des équipes qui pouvaient... Faire les séries quasiment 4-5 semaines d'avance. Ben ça, c'est genre c'est dans la division des Cowboys parce que sont tellement poches. Mais euh... c'est plus que chier. Ben, Mais c'est ça, là de plus en plus on connaît les, 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 les équipes qui Tu sais, jusqu'à la dernière semaine, on va considérer les équipes qui vont aller dans les séries. Euh, on salue, comment ça va, Sky SOS? Bonsoir! Bon lundi, bienvenue à notre analyse annuelle du calendrier qui a été dévoilée la semaine passée. Euh, donc, euh, c'est donc cela. Poche, Montréal. Ouais, ouais, ouais excusez-moi, je viens de Montréal. Je suis poche. <laughs> Il est bien vu Poutine, à soir, hein? C est, c est, c est, je veux dire, vu que je t'avais de demandé en, en congé, mais il est vraiment baveux parce qu'après ça, au mois de septembre, il pourrait, il pourra plus être baveux parce que ces Cowboys iront pas si bien que ça. Qu'est-ce qui se passe avec les Dolphins et Tua Ben Tua est dans sa négociation de contrat, donc euh, ça joue, ça, ça joue euh, fort. Euh, euh, ça joue fort là, entre les deux parties. Là. Donc, ça va des négociations, mais il va être de retour. Là. Il n'avait pas commencé, il ne s'est pas présenté dans les activités d'équipe. Mais là, je pense qu'il va être de retour. Mais ça fait partie de la game de négociation. Puis, de toute façon, un corps arrière, prenez, -les, prenez ça relax. Tu il sais, ne faut pas le blesser, surtout notre ami Toua. Euh, bon, j'ai Burger Time, mon bodyguard qui me protège. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, euh, on va essayer. Si vous avez des questions euh, au courant de la soirée, gênez-vous pas. Euh, la semaine prochaine, prenez ça en note. C'est la dernière de la saison, mais ça va être vraiment une émission avec votre participation, les amis. Parce que lundi soir prochain, on va jouer au jeu des prédictions. Euh, si vous avez été faire un tour sur le blitznfl.com, notre ami Simon a fait une projection de tous les matchs et euh, il y a un site sur euh, Internet où ce que tu peux dire, qui va gagner chaque match, puis après ça, le classement est sorti. Donc, euh, il a fait ses prédictions. On va lui demander à Simon s'il si peut être disponible la semaine prochaine. Mais c'est ainsi, il est pas mal occupé avec euh, euh, son travail. Mais c'est sûr que Simon soit là, que Simon ne soit pas là. Moi, je vais être là et j'ai besoin de vous parce qu'on va faire des sondages. Sur toutes les divisions, qui va gagner les divisions selon vous? On va prendre ça en note, les pourcentages. On va aussi prédire qui va gagner l'AFC, qui va gagner la NFC. Et selon vous, en date du 27 mai, qui est la semaine prochaine, qui va gagner le Super Bowl? Donc, on va faire un sondage. On va regarder les statistiques. Donc, c'est une autre façon. Vous allez avoir mes prédictions aussi, juste avant de partir pour voir un peu avec tout ce qui s'est passé. Euh, donc comment que nos équipes vont aller euh, en 2024. Bon poutine graisseuse, hey, il, il est vraiment il est vraiment baveux. Hein? Oh! C'est une machine à crème molle. Mm -hmm. OK. <laughs> OK, on joue, on jouerait d'asseoir qu'est-ce que tu as bu poutine Ça paraît que tu pas travaillé aujourd'hui, tu es en congé <laughs> Euh, donc, on l'a mentionné, 272 matchs, début le 5 septembre, fin le 5 janvier 2025. Le Super Bowl va avoir lieu en Nouvelle-Orléans le 9 février 2025. Super Bowl 59. Pour les gens qui ont fait le quiz la semaine dernière, à essayer de décrire de, de quelque part un petit papier, un bout de papier, comment le 59 s'écrit en chiffres romains, ça risque d'être peut-être une question de quiz en septembre prochain. Yeah, baby. <laughs> Pour les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui nous ont pas euh, suivi la semaine dernière ou qui ne savent pas, la saison 3 du quiz, le Blitz NFL, va être de retour le 9 septembre prochain. Donc on a hâte de, de, de voir à tous les lundis soirs, ça va être le quiz. Vous avez des points à accumuler pendant la saison et à la fin de la saison, ben, à chaque... À la fin de la saison, euh, il y aura un gala, donc il va y avoir des prix de présence tout au long de la saison. On a mentionné que c'est la 105e saison. En tout cas, moi, je pense que c'est une émission que vous devez, vous devez enregistrer, hein, parce qu'il y a plein de réponses pour du quiz, ça là. là. Hein? Hein? <laughs> euh... Oh, OK. OK, c'est pour ça. C'est pour ça que tu es baveux, Poutine. Ça fait sept jours que tu travailles, t'es pas habitué de travailler autant. Oh, ça, c'est chier. Ça, c'est chier, c'est chier, c'est plus que chier. On t'aime beaucoup, Poutine. On aime ça niaiser. On aime ça euh, niaiser les gens qu'on aime beaucoup. <laughs> Donc, les Ravens contre les Chiefs le 5 septembre et prenez ça en note pour la première fois de l'histoire de la NFL, je crois. C'est ça? Où j'ai écrit ça? C'est-tu? C'était ça? En tout cas. Je pense que oui. C'est la première fois de l'histoire de la NFL qu'il va y avoir un match un vendredi soir. Donc, le lendemain du premier match, ça va être tout un week-end. En tout cas, mandez congé à vos employeurs. Euh, dépensez vos heirlos. Euh, dépensez vos auprès de vos conjoints et conjointes pendant ce week-end-là. Parce qu'un match le jeudi soir, un match le vendredi, plein de matchs le dimanche et le lundi. Donc. Le premier match de la série internationale dans la NFL va être au Brésil. Donc, c'est la première fois au Brésil, c'est ça. Euh... <laughs> Je suis bavé avec ceux qui me bavent aussi. <laughs> Parfait. Excellent, Poutine. Donc, premier match, c'est les Packers contre les Eagles. Euh... Donc, pour votre information, ça a été posé dans les autres émissions. Je me souviens pas, c'était Fortinosa, Pascal Meta. Euh... Cette année, en 2024, vu qu'on a un chiffre impair euh, de matchs, donc 17 matchs, cette année, c'est la NFC qui va avoir le neuvième match à domicile. OK? Donc, euh, cette année, c'est la NFC qui va jouer 9 matchs à domicile. Donc, comme vous voyez, 2024, donc chiffre pair, c'est la NFC. Chiffre impair, ça va être la AFC qui va avoir le neuvième match à domicile. Autre fait, ça y a. les 49ers, yeah, baby. <laughs> les da, les Cowboys et les Jets Ooh! vont jouer six fois au prime time. What the f en tout cas, correct pour les 49ers, mais les Cowboys et les Jets, ces trois équipes-là vont jouer six fois au niveau prime time, donc les, les matchs soit du jeudi soir du lundi soir euh, du euh, dimanche soir tout ça et il va avoir seulement une équipe qui n'aura pas de match en prime time ce sont les Panthers de la Caroline. Bon, par moi de ça un fan des Carolines c'est bien trop ça. <laughs> mais mais euh, euh, faites attention comme vous le savez à partir de la je pense c'est après Thanksgiving euh, donc après la fin novembre, euh, on appelle ça le flex. Les, les réseaux de télévision ont, dis, ont des ont des possibilités de changer les matchs. Donc l'année passée, il y avait comme deux équipes qui n'avaient pas de match le prime time, mais là ils n'ont eu vers la fin de l'année. Donc euh, pour le moment, les Panthers n'en ont aucun, à moins vraiment qu'il y ait une saison à la à la CJ Stroud et les Texans de Houston comme l'année passée. Puis ils vont réapparaître. Mais pour le moment, les Panthers sont euh, les Panthers n'ont aucun, aucun match en prime time. Donc le jeudi soir, le dimanche soir et le lundi soir. Pascal Meta qui dit donc six défaites à l'horaire pour les Jets et euh, Burger Time qui, qui prennent l'avance. Euh, bon, Poutine, hey, ça, ça jouerait dans le chat, <laughs> mais je vous adore en passant. Je vous adore parce que tout est dans le respect. Merci beaucoup. Okay. Poutine qui dit à Pascal, tu fumes du bon stock et Burger Time le jour de la dinde. J'ai l'impression qu'on va se texter plus souvent les Packers contre les Dolphins. Mais avant d'aller là, il va y avoir la série internationale. Ok, donc vous voyez à l'écran. Les, six matchs, euh, les cinq matchs à l'international ont été déterminés. On a parlé des Packers contre les Eagles au Brésil. Euh, et ça ne sera pas long, je vais sortir de quoi, parce que c'est écrit petit pour moi. <laughs> euh, donc, euh, les, après ça, les trois premiers matchs de la série internationale à, à Londres, donc trois semaines consécutives. Donc, la beauté, c'est que pendant notre show, pendant notre jour de match entre 10h et midi, à partir du premier dimanche, euh, euh, à partir du 8 septembre, ça va être notre première émission jour de match les dimanches matins. Ben, au mois d'octobre, on va avoir comme 4 quatre, quatre dimanches où il va y avoir du football le matin en plus, dont trois de suite, en partant avec les Jets contre les Vikings le 6 octobre. Ça, c'est le jour de la fête à mon frère. Le 13 octobre, les Jaguars contre les Bears. Donc Caleb Williams va aller visiter Londres pour une première année. Il est vraiment chanceux ce gars-là. Hein? Yeah baby. <laughs> et deux équipes qui des fois ils en arrachent et ils vont sauver. Peut-être euh, rendu au 20 octobre, les Pats contre les, les Jaguars. Les Jaguars qui sont toujours, euh, c'est comme leur deuxième maison euh, à Londres. Vous savez, ils ont, ils ont vraiment une entente. C'est vraiment L'équipe de Londres, c'est vraiment les Jaguars. Vous devrez voir les, les postes, les, les chaînes télé à Londres. Il y a beaucoup d'émissions sur les Jaguars. Donc, tu sais, comme les, euh, on suit les Jaguars pendant l'année. Nous, on ne le voit pas, mais euh, des fois, ça l'apparaît. Euh, ben, ils montent, euh, ils montent en, en Europe, à Londres, parce que les Jaguars, c'est comme l'équipe de la NFL. L'équipe de Londres pour la NFL. Max Lacloche, comment ça va? Qui arrive? <laughs> Le nouvel uniforme des Giants, go à go Ben oui, hein? Je n'ai pas sorti sa photo, mais ça ressemble énormément aux Canadiens de Montréal. Puis, en plus, c'est vraiment. Ça, 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 ça fait du. <laughs> euh... Bon. Poutine graisseuse, Crimea River. Je suis seul contre tous ce soir. Comment ça va? Euh... Quarterback is in the house. C'est ça que j'ai vu. Ben oui, comment ça va? Bon lundi, Joe. Merci beaucoup. Bonne saison à toi et Jacob. Bonne saison des, euh, des, de, de balles cette année. Notre ami Jacob va être le futur Gary Carter des Expos. Euh, top pour moi, ça. Sky SOS qui dit 49ers en prime time, six fois. Ben, il mérite. C'est peut-être la deuxième, deuxième et la, la deuxième meilleure équipe dans la NFL. En tout cas. <laughs> euh, donc, c'est cela. Euh, Il ressemble aussi aux Alouettes. Ouais. Sérieux. Giants versus Panthers. Pas vraiment le bon moyen de vendre le football outre-mer. Ouais, ben c'est... Ouais. C'est quoi, que vous voulez, que je vous dise? Des fois, c'est le choix des équipes. Les équipes... Si je me souviens bien, euh, ont, dans le contrat, ils doivent y aller au moins une fois à l'intérieur d'un nombre d'années. Je ne m'en souviens plus combien, là, je pense que je l'ai déjà dit, là, mais euh, les équipes doivent aller jouer outre-mer. C'est sûr que, euh, tu sais, quand on disait tantôt d'entrée de jeu, tous les facteurs à considérer lors de l'élaboration, euh, je pense qu'on n'a jamais vu un match de division en outre-mer, donc on garde les rivalités chez eux dans leur propre stade pour leurs propres fans, euh, puis les équipes, c'est sûr, tu sais, je veux dire, c'est une grosse semaine quand ils vont là, il y a beaucoup de médias à faire, euh, aller rencontrer les fans, tout ça, donc c'est une avec le l'aspect compétitif en tout cas ça me surprendrait que éventuellement on va peut-être le voir mais je pense que les équipes sont de plus en plus réticentes. Et oui, euh, donc 6 13 20 octobre à Londres et le 10 novembre les Giants contre les Panthers. Donc vous tous bien informés la télévision le 10 novembre puis juste écouter Tony le Blitz là, en jour de match, ça va être bien correct. Mais ce match là, c'est à Munich, donc en direct du Allianz Arena. Euh, le domicile du club de soccer FC Bayern Munich. Et vous avez vu à la fin du tableau, donc en 2025, la NFL va aller à Madrid, en Espagne. Oh oh. Yeah, baby! Yeah. Ça, ça va être vendeur auprès de Sherby Sandy, là, ma conjointe. Là. Hey, chérie, on va-tu en Espagne, mais on doit aller voir un match de football en même temps. Hein? Je sens que ça va être correct, ça. Yeah, baby! Yeah. Euh, je sais que les gens de la place sont juste contents d'avoir un match chez eux, mais ne sont pas gâtés avec cette match ouais, 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 ben ouais, ce matchup. up Oui, oui. Ben oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça va être, ça va être plein. <laughs> ça va être sold out. Euh, Burger Time. Burger Time, il va avoir le feeling de la Blitz NFL. Par rapport. Par rapport à Erson Bucker, oh oui, ben, il, 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 il a ouvert sa gueule, il parle beaucoup, il y a beaucoup d'Américains qui sont comme ça dans les médias. Donc, c'est un peu, moi personnellement, c'est quasiment un discours de, de politicien. Là, donc, euh, en tout cas, il ne faudrait pas mélanger la politique avec le football, mais euh, qu'est-ce que vous voulez, des fois, surtout à la saison morte. Ces joueurs-là sont, sont plus ou moins encadrés par leurs équipes et des fois vont avoir une crampe au cerveau, puis ils vont dire n'importe quoi. <laughs> Donc, euh, il dit qu'une femme, ça va dans la cuisine, puis euh, que l'avortement, c'était... Ouais, ouais. Okay, ouais. ok, on n'ira pas plus loin que ça. <laughs> Écoutez, ça fait une coupe de fois qu'on vous a mentionné. C'est quoi la structure? Euh, la structure du calendrier. Quarterback qui dit As-tu réservé un voyage de football euh, Je, je vais être honnête, non. Euh, parce que j'ai un horaire assez, assez euh, rock and roll avec mon travail. Je sais que mes collègues de travail veulent préparer un voyage de football, mais je vais être comme genre de gars Est-ce que j'y vais Mais euh, où on va, Tony <laughs> Je ne sais pas. <laughs> je vais être honnête, je ne sais pas. Euh, j'ai euh, vraiment pas de j'ai pas de, de plan comme tel c'est le 50e on le dira pas on le dira pas mais c'est la fête à ma blonde aussi donc euh, donc euh, vu que c'était le mien l'année passée on a fêté le mien on est allé à la Vegas là, cette année je dois, euh, je dois accumuler des, des airouss pour sa fête c'est ça exactement c'est stratégique. Euh, donc, la structure du calendrier, vous le savez, euh, c'est 17 matchs en 18 semaines. Euh, donc, euh, des matchs de division. Après ça, contre une autre division de la même conférence, une autre division d'une conférence adverse. Euh, je l'ai dit tantôt, la semaine 18, tous les 16 matchs, c'est des matchs de division. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. Donc, c'est ça que je voulais dire. Euh, euh, 17 matchs sur 18 semaines, donc euh, les bye week, les semaines de congés vont commencer à la semaine 5 et vont se terminer à la semaine 14. Je montre l'écran, donc quand vous allez nous réécouter en YouTube, faites pause ou vous le savez déjà par cœur. Donc les adversaires, donc la division, donc mes Dolphins, je prends un exemple, la division Est dans l'Américaine va affronter l'Américaine euh, Sud ainsi que la Nationale Ouest et le fameux 17 e match est contre une équipe de la NFC Nord selon la même position donc c'est le match euh, de euh, les Dolphins contre les Packers au Thanksgiving, donc c'est ce match-là qui a été déterminé le fameux match de la Nationale Nord comparé à la même position de chaque euh, pour la nationale, c'est ça, vous avez là, euh, pour euh, un peu euh, donner un peu d'amour à notre ami euh, Poutine Grasseuse. Yeah, baby! <laughs> euh, les Cowboys, ou toutes les équipes de la nationale Est, ben, ils vont affronter la nationale Sud euh, et l'Américaine Nord. Donc, ça risque d'être difficile. Et le fameux 17e match et contre euh, l'équipe Américaine Sud. Donc les Cowboys, vu qu'ils ont fini premier, ben, ils vont affronter le premier de l'Américaine Sud qui est les Texans. Donc c'est ce match-là qui est là. On salue notre ami, notre ami Labritempo. Notre équipe de modo est là. Toute la gang is in the house. Les amis, on les salue dessus. Grâce à eux, notre quarterback Tony Le est toujours en santé et non comme Aaron Rodgers. Poutine Graisseuse qui dit, j'ai besoin d'amour ces temps-ci, c'est si, si bon. Ben, que toi pas, Poutine, tu viens nous voir, on t'en donne autant d'amour, même si on te niaise, mais tu à la bonne place pour avoir beaucoup d'amour. OK, c'est quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Beaucoup d'amour entre gars, football. Hein? <laughs> en tout cas. Salut, l'abri, merci d'être là. Euh... Max Lacloche qui dit, je suis en visite à Washington fin novembre. Je vais aller si les commanders vont jouer pendant que j'y serai. Euh, je ne sais pas, je me pose juste des questions. Les gars de 98.1 Radio X dit qu'il avait probablement mis son avenir en jeu à cause de cette déclaration de Butker. Ça se peut. Ça se peut. Les équipes vont évaluer c'est quoi les répercussions. Mais comme je vous ai mentionné, il a annoncé ça au mois de mai. Les, les joueurs commencent à s'entraîner petit à petit. On va entendre parler un peu plus de la NFL au mois de juillet, à la fin de juillet, le début des camps d'entraînement, mois d'août. Donc, si notre, notre, notre ami Butker se ferme la gueule un peu, ben, ça risque de passer euh, dans, dans le bar. Mais, comme je vous ai dit, c'est des déclarations un peu à la politique. On en entend souvent que ça sorte d'un joueur, d'un kicker d'une équipe de football. Moi, personnellement, écoute, on a vu bien des choses bien plus pires que ça hein les amis. Euh, notre ami de Watson à Cleveland. C'est ça, puis il est encore là. Euh, bon, on est en train de se négocier un voyage ici. Lundi le 14 octobre, c'est l'ascension de grâce, beaucoup de gens sont en congé, on pourrait aller voir les Texans contre les Pats ou les Bengals. Où les Bengals contre les Giants le distant. Donc Boston, New York, ça commence à être intéressant. Oui, Fortinoza, Ray Rice aussi. What the f Donc euh, ça fait du bon stock à commenter, mais il a déjà eu puis les gars ont resté dans la ligue. Il va rester dans la ligue, je suis sûr. Ben oui, ben oui, ben oui. Alright. Donc euh, on a fait le tour. Je, je veux pas. Euh, je ne veux pas encore répéter euh, la structure du calendrier. Je répète encore, OK? Euh, quand on a dévoilé le, le calendrier, on a fait euh, la force du calendrier en fonction des fiches de l'année passée. Mais comme le disait si bien notre ami Zinku, notre encyclopédie de la NFL, un des, chambres, un, un des grands, grands joueurs du quiz aussi, euh, quand on fait la force du calendrier, c'est mieux selon les projections de victoire. Donc selon qu'est-ce que Vegas avait prédit comme le nombre de victoires, donc on a regardé un peu tout ça. Donc le calendrier, les cinq équipes qui ont un calendrier favorable dans les Falcons d'Atlanta, notre ami Fortinosa, Yeah baby. <laughs> les Chargers de Los Angeles de notre nouveau coach Jim Arba, et le quarterback Justin Herbert, les Bears de Chicago avec Caleb Williams le premier jour au repêchage et tout le remaniement dans l'attaque les Jets de New York avec Aaron Rodgers en santé devraient avoir un calendrier favorable et les Saints de la Nouvelle-Orléans avec la deuxième année de euh, Derek Carr est-ce que vraiment c'est la bonne année pour Derek Carr c'est la bonne année pour les Saints on a un nouveau coordonnateur à l'attaque aussi donc, c'est ça. Les calendriers le plus difficiles. Il y a les Steelers de Pittsburgh. On va revenir à, après. Pourquoi les Steelers ont un calendrier si difficile? On va y revenir tantôt. Inquiétez-vous pas. J'ai un tableau pour ça. Les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Hove Wolverines. Avec un nouveau quart arrière. On sait pas si euh, on est allé chercher... Drake May, mais euh, que, comment il s'appelle? Euh, Jacoby Brissett risque de partir la saison. Un nouveau coach en chef après vingt saisons avec Bill Belichick. Une nouvelle culture dans le vestiaire. En plus d'un calendrier difficile. What the f Les Browns de Cleveland, ok, De Sean Watson va être de retour en santé. Mais je trouve que De Sean Watson, quand il est sous le banc, l'équipe est encore meilleure. Mais il va être de retour. Mais là, en plus, il y a un calendrier difficile. N'oubliez pas, on a dit qu'ils vont jouer non seulement c'est une des divisions ou la division la plus forte dans la NFL, avec les Ravens, avec les Steelers, les Bengals, avec Joe Burrow en santé. OK, les Steelers, peut-être avec Russell Wilson puis Justin Fields, ça risque d'être pas pareil. Mais quand même, c'est une division tellement faut parce que les Steelers aiment ça ils, ils, ils réussissent à battre leurs rivaux de division malgré tout même quand ça va pas bien pourquoi, pourquoi pensez-vous qu'ils ont réussi à faire les séries par la porte en arrière quasiment, fait que c'est ça les Ravens aussi vont avoir un calendrier difficile et les Vikings qui sont sans Kirk Cousins, en passant je, je voulais le dire mais d'entrée de jeu si vous l'avez pas vu, j'ai lancé une vidéo les médias sociaux ont été en feu les réseaux sociaux de nos équipes de la NFL. Parce que vous vous en souvenez, l'année passée, les Titans avaient fait un beau vidéo. J'ai remontré, j'ai montré celui de cette année des Titans parce que je trouve que c'est tellement drôle. Mais en tout cas, la créativité des équipes a été vraiment bonne. On parle des, euh, des Chiefs qui ont mis leur cédule dans un broyeur. Euh, les Chargers ont fait une, une simulation de jeu vidéo sim. Family. Les, les, euh, les Falcons aussi ont fait un bon vidéo. Allez voir ça. Euh, vraiment des beaux vidéos euh, par rapport au, au, euh, au, euh, au, euh, au euh, dévoilement du calendrier du calendrier de chacune des équipes de la NFL. En tout cas, faut, même les équipes des réseaux sociaux doivent être à la hauteur que leur équipe sur le terrain de football. Hello, you play to win the game. C'est incroyable là. quand tu dis n'importe quel individu dans une organisation de football sont là pour le Super Bowl, donc <laughs> sont rendus même créatifs dans les, euh, dans les dévoilements de calendrier. Euh, Wolverine, je sais, je sais, les Pats ont un gros 3 à 4 victoires. Euh, AFC Nord, Max Lacloche. Max Lacloche, euh, AFC Nord l'ont pas facile. C'est vrai, Max Lacloche est un fan des Steelers. Il n'y a pas vraiment de guerre avec Sexy Jimmy encore. <laughs> bon ben, lui, il a l'équipe. C'est Team Labri et the House. Les Pats qui ont fini 4-3 l'an passé, ils ont quand même un, un, une cédule difficile. Ouch! <laughs> et Wolverine se pose beaucoup de questions sur Drake May. On va se poser tous les questions, mon Wolverine. On va se poser sur Caleb Williams. On va poser des questions sur tout le monde. Même les joueurs de deuxième année. On va se poser même des questions sur Kirk Cousins à Atlanta avec le choix bizarre de Michael Penix Jr. des Falcons. Il va y avoir beaucoup de questions. Ça va être quand même incroyable. Et je vous dirais, depuis une ou deux années, euh, une ou deux ans, c'est quand même... La première semaine, les premières semaines, c'est plus comme avant. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez remarqué, tu sais, les Chiefs avaient perdu leur match contre les Lions. Il euh, y avait des équipes qui étaient déjà à 0-2-0-3, puis ça sentait la fin du monde. Tony qui fait la tendance de la maintien éliminée, puis finalement, en tout cas, finalement, ils font des séries. Donc, la première semaine, la semaine 2, le fait qu'on ait éliminé un match de pré-saison. Ben, la pré-saison continue à la semaine 1 puis à la semaine 2. Je pense que les grandes équipes, les meilleures équipes vont, 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 vont s'améliorer, vont progresser. Et comme l'a toujours dit notre ami Simon, ça, ça se passe à partir du Thanksgiving, fin novembre. Donc c'est là que vraiment on va voir les grands se séparer des petits. Puis c'est là qu'on va voir vraiment le dernier blitz, jeu de mots, avec la fin de saison de, euh, de la NFL. Bon, ben, on va-tu parler de toi qui ne se pointe pas autant tant qu'il n'y a pas signé d'extension? Ben, c'est des choses qui arrivent. Bon, ben, je l'ai mentionné avant que tu arrives. Euh, ça fait partie de la game. Je veux dire, euh, moi personnellement, euh, c'est correct parce qu'il ne se blessera pas. <laughs> L'important, c'est de continuer à s'entraîner, être en santé, soigner les bobos. Tu sais, on parle beaucoup de toi, puis c'est la cinquième année d'option. Euh, moi, personnellement, est-ce que j'aurais signé? Peut-être pas, mais encore là, qui on va chercher? Qui on va chercher? Donc, on est tous bien gardés tout haut. Grande équipe explosive, encore avec Tyreek Kill, euh, Waddle, et là, la l'arrivée d'OBJ. Ça va être une attaque, une attaque quand même explosive. On va mettre des points au tableau. J'ai des, des doutes sur la défensive. Donc, c'est des choses qui se passent. Euh, bon, ben, il y a bien des joueurs qui font ça, qui font la grève. C'est sûr que si la grève si, si il reste euh, sur les lignes de côté ne pratique pas avec l'équipe pendant un bon bout, on va le sentir pendant la saison et peut-être des risques de blessures, mais mais euh, j'ai entendu dire qu'il est retourné là, euh, je pense, il est retourné euh, ou il va retourner dans les prochains jours. Euh, on dirait que oui, c'est par rapport à l'extension de contrat, mais peut-être qu'il voulait prolonger ses vacances aussi. Donc, je ne sais pas, je vais être honnête, mais moi, je vais être honnête, je, je m'en fous bien right de qu ce qui va se passer jusqu'à la fin juillet, quand que les camps d'entraînement vont vraiment commencer. Je vous dis tout de suite, j'ai vraiment, tu sais, je veux dire, <laughs> c'est comme, comme Tony Le Blitz. la tête est, est aux vacances. Là, mais inquiétez-vous pas, toutes les nouvelles, on va souhaiter la santé pour tous les joueurs, mais. À partir du mois de juillet, c'est là qu'on va, on va vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires. Là, c'est un peu partout. On veut faire des nouvelles. C'est les séries au basketball. C'est les séries au hockey. On va laisser la place aux autres sports, puis on va attendre au mois de juillet. Oui, Word, oui, ça risque d'être plus compliqué, mais on va voir. Vous en souvenez? Comment il s'appelle? Euh, Jones, Chris Jones, des Chiefs. Vous vous en souvenez, hein? C'est le meilleur exemple. Le gars, là, euh, le premier match, il était dans sa loge. L'équipe AC, s'il a vu ce joueur-là, ils l'ont signé. Puis c'est lui qui a fait gagner le, le Super Bowl. Hein? Yeah, baby! <laughs> Très bien dit, Pascal Metta. En résumé, dans une phrase, moi, j'ai dit ça en deux minutes. <laughs> Tout ça, c'est du bruit. Attendons le kick-off. On verra, rendu là. Euh, on continue. Donc à surveiller donc pour les gens qui ont peut-être à regarder l'horaire un peu plus en détail, il va y avoir 14 matchs en revanche, 14 matchs revanche du Super Bowl. Donc des équipes qui seront déjà affrontées au Super Bowl, ils vont se revoir 14 fois cette année, dont le fameux Chiefs contre les Niners, la revanche du Super Bowl, le dernier Super Bowl 58. Ça va être à la semaine 7 entre les Chiefs et les Niners, les Chiefs et Big Will. Contre les Niners à Virginie. Donc, ça va être vraiment incroyable à suivre ça. Neuf matchs revanche des séries. OK? Neuf matchs. Bombin, il joue. <laughs> je regarde Bombin. Bombin, c'est la même chose que Pascal Meta. Il, il pense qu'il va dire des choses que je, je ne dirai pas ce soir. <laughs> N'oubliez pas, à la fin de le, du show, tantôt dans 5-10 minutes, on va parler de mon top 10 des matchs à surveiller. Et ton, ton, ton message la semaine 2, le retour de Russell à Denver risque d'être là. Je me souviens plus. Je me suis battu avec un autre. Je ne sais pas où je l'ai mis. On verra bien. On va voir qui j'ai mis. Neuf matchs revanche des séries 2023. Les Ravens vont affronter les Chiefs en semaine 1. Donc ça, c'est la revanche euh, du championnat AFC. Euh, les Lions contre les Niners en semaine 17. Ça, c'est le match de la, euh, du championnat NFC. Donc, les deux matchs de championnat de l'année passée vont être de retour cette année. Et quatre matchs qu'on a vus dans la ronde de division vont aussi s'affronter cette année. Aussi, à surveiller le duel des deux premiers choix au repêchage, Caleb Williams qui a été choisi numéro un par les Bears et Jaden Daniels qui a été choisi numéro 2 des Commanders, ben, ils vont s'affronter les deux à la semaine 8. Donc on va voir est-ce que ça va être comme l'histoire entre CJ Stroud et Bryce Young, est-ce que on a fait une gaffe de pas avoir choisi Stroud au numéro 1 Est-ce qu'on a fait une gaffe d'avoir choisi Williams au numéro 1 Come on man, on verra bien. Moi qui aime si bien si bien, Caleb Williams. <laughs> c'est plus que euh, Il va manquer de souffle dans le mal. La ah. bête <laughs> bonne. est bonne. Au niveau de, euh, de la télé prime time, les amis. Okay? Euh, donc, euh, la fameuse guerre télévisuelle. Donc, pour les fans de Tom Brady, les amis. Ben oui, Tom Brady va être à l'analyse des matchs sur Fox. Il a détrôné notre ami. Euh, euh, Tom Brady a détrôné notre ami euh, Greg Olson qui est, parti, qui est dans l'équipe numéro 2. Donc, euh, Tom Brady est à l'équipe numéro 1 des, des matchs de la semaine sur Fox. Donc, premier match à l'analyste TV, Tom Brady. Ça va être le 8 septembre, le premier dimanche. Où ce que les Cowboys vont affronter les Browns à Cleveland? C'est un match à 16h25 heure de l'Est et c'est sur Fox. On a hâte de voir. Je sens qu'il va y avoir bien du monde qui vont le regarder l'analyser. Vous en souvenez, Tony Romo a été un grand succès. Et là, de plus en plus, il y en arrache. Greg Olson, on en avait des doutes, puis il a été excellent. Comment Tom Brady va être? On a hâte de voir, mais il faut aussi donner la chance. Il faut y donner une coupe de, de match. Je ne sais pas s'il va faire. Je pense qu'il va peut-être faire un, un match pré-saison sur Fox. On le verra bien. Donc euh, bon ben, qui dit, j'espère, qui euh, j'espère qu'il va être meilleur que Romo. Bon ben, Poutine il dit, Romo est très bon. Euh, oui, mais sure can... il suis sûr y en a rage dernièrement. Mm, I don't know, Jim. <laughs> Tony Romo, <laughs> mon préféré. Tony supérieur à Caleb. Est hey, bon, est hey, bon. Yes sir. Euh... On a parlé tantôt, comme d'habitude, à chaque année, euh, trois matchs lors du jour du, de l'Action de grâce américaine, le Thanksgiving américain, le 28 novembre cette année, à la semaine 13. Comme vous le savez, les Lions et les Cowboys vont toujours recevoir un match. Donc je ne sais pas si on signait ça pendant, à l'infini, mais ça risque d'être un, une routine, un rituel, une tradition pendant plusieurs années à venir. Donc les Bears vont affronter les Lions à Détroit le 28 novembre, les Giants, un match de division quand même, les Giants qui vont affronter les Cowboys à Dallas et le soir, hein, hein, à Burger Time, à hein, Quarterback, à l'abri, hein, les fans des Packers, mes Dolphins vont être à Green Bay, ça, ça a été tout un match d'aller voir à Green Bay, un jour de Thanksgiving au Lambeau Field, là. ça aurait été mythique, euh, épique, tous les qualificatifs qu'on peut sortir, mais on va regarder ça avec une bonne bière. Donc les Dolphins vont affronter les Packers le 28. On s'en va là. Ouais, C'est ça. Book nous ça. Book nous ça. On part le, le jeudi matin. Je peux prendre jeudi, vendredi, off. Puis, euh, puis euh, je vais revenir lundi au travail. Et la nouveauté pour les gens qui ne savent pas, mais ça n'affecte pas les Canadiens, les Québécois. Ça n'affecte pas les Européens non plus, je crois parce que les autres pays ont tous des ententes par rapport à la diffusion des matchs de la NFL. Mais Netflix va présenter les deux matchs à Noël en direct. All right? Come on, man! Pourquoi Command man? Ben, Netflix, deux matchs en direct, là, Netflix se dirige vers la guerre du streaming pour du contenu en direct. Hein? Vous savez, Netflix euh, prime le fait, Netflix... Ne l'a pas fait encore, si je me souviens bien, en termes sportifs, ils ont présenté le Roast à Tom Brady en direct. Là, je ne l'ai pas. Là, les gens dans le chat, là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu en direct, puis l'ont revu euh, en rediffusion. Mais il semblerait que la rediffusion du roast à Tom Brady, il y a eu de. ils ont édité ça. Ça a l'air qu'ils ont modifié le contenu. Donc, je n'ai pas regardé ça, mais c'est vraiment malheureux. Mais les deux matchs, euh, les deux matchs, Burger Time, si j'espère, ça va être en français. Euh, oui, ben normalement, RDS va le montrer. Là. Les matchs, les trois matchs de l'Action de grâce, RDS le montre en français. Donc, Netflix va présenter les deux matchs à Noël. Et comme vous le savez, OK, on va en parler tantôt, le, <laughs> le 25 décembre, cette année, c'est un mercredi. Donc, ce n'est pas trois matchs, ça va être seulement deux matchs. Les Chiefs qui rendent visite les Steelers et les Ravens contre les Texans le soir. Euh, C'est-tu le soir? Je pense, que je pense que ça va être 1h puis 4h. Ah, j'ai oublié de sortir. On l'a sorti. Je vais juste. Parce que j'ai pu comprendre que Netflix voulait mettre les matchs de jour pour que les gens, pour que les gens dans, en Europe puissent en profiter. Donc, on va aller voir ça, 28 novembre, euh, 25 décembre, excusez-moi, 25 décembre, Kansas City, c'est ça, Kansas City et Pittsburgh vont être à 1h de l'après-midi, donc 7h le soir, et 2h30 euh, et, euh, et plus tard, le match d'après, les Ravens contre les Houstons. donc ça va être comme 9h30, euh, non, ça c'est, excusez-moi, 4h30, excusez, -moi, une heure puis quatre heures et demie. Quatre heures et demie, donc on parle d'un match qui va débuter à 10h30, 22h30 heure de nos amis européens. Donc c'est quand même intéressant et non un match euh, dans la nuit comme tel. Donc euh, oui, c'est pour, pour pas que les gens manquent la messe. J'espère que les jeudis vont être meilleurs que l'année passée. Comment ça va, Haut-Lapine? Ben je j'ai pas ça à start. Non, non. C'est ça que je voulais vous dire. Au Québec, vous n'avez pas ce problème-là. OK? Euh, euh, CTV, TSN a, a les droits de diffusion de la NFL, RDS aussi. Euh, donc, puis quelqu'un qui veut voir tous les matchs, il y a le site de The Zone qu'on doit payer. Mais il ne faut pas avoir Netflix là, pour, le, pour les gens de, de, de Québec. Qu'est-ce qui est frustrant? C'est que là, de plus en plus, nos Américains, ils doivent tous payer ça pour avoir ces matchs-là. Donc, c'est pour ça qu'on a un avantage au Québec. C'est pour ça qu'on a euh, un avantage au Québec, au Canada, tout ça. Parce que les droits de diffusion, la majorité, c'est une chaîne quand même traditionnelle. Tandis que les Américains, là, ils doivent avoir Prime Video pour voir les matchs jeudi soir. Ils doivent avoir Netflix pour voir les deux matchs à Noël. Peacock qui est la, la, la famille de NBC en fin d'année vont montrer un match en streaming donc ça commence à être euh, ça commence à être comme 80 90 pièces par mois là tu t'es tous bien de tous bien de prendre NFL Game Pass ou NFL Plus là je me souviens plus aux Ami euh, aux États-Unis mais ça commence à être euh... mais tout ça c'est une question d'argent comme Peacock Netflix il va avoir Checkez bien ça, ils vont comme s'abonner pour ce mois-là, puis après ça, ils vont enlever leurs abonnements, <laughs> s'ils peuvent le faire encore. Au State, c'est plus compliqué pour eux. Ouais, c'est ça, c'est plus cher. YouTube, il me semble, à partir ont des matchs NFL. Ben, YouTube TV, bon ben, YouTube TV présente le, le Sunday Ticket. Donc, euh, est-ce qu'ils vont montrer des matchs en direct pour seulement YouTube? C'est la guerre du streaming en ce moment. Donc, Roger Goodell et la NFL. Je chi j'ai pas de son pour ça, mais Money, Money Talks. Je vais mettre la toute Money Talks. C'est ça. Je vais mettre une toute Money. Fortinoza qui dit Ouais, le bout de Brady. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que ça a été coupé, ça. Mais ça a l'air qu'il y a d'autres euh, euh, aussi. Fait que, euh, que c'est cela. On a parlé des matchs du de jeudi soir. Il, a, il va y avoir beaucoup. Je pense c'est des matchs de division, si je me souviens bien. Euh, j'ai mis la liste sur le Blitz NFL euh, quand le lendemain, j'ai fait un article. Si je regarde des matchs du de jeudi soir, euh, le premier, ben, premier c'est sur NBC. Mais la semaine d'après, c'est les Bills contre les Dolphins. C'est quand même intéressant. La semaine d'après, Patriots-Jets, euh, Cowboys-Giants. Donc, c'est toutes des matchs. Je vite, vite, là. C'est quasiment des matchs euh, des matchs de division. Il y a 17 octobre, c'est les Broncos aux Saints, Vikings aux Rams, Dolphins-Packers. Euh, non, ça, ça va être sur euh, euh, Thanksgiving, ça va être sur NBC. À la fin de l'année, en mois de décembre, Packers-Lions va être intéressant, Rams-Niners va être intéressant, Browns-Bengals aussi, Seahawks. 26 décembre, Seahawks contre les Bears. Je m'excuse, DJMV, mais. Je ne sais pas quel genre de match ça va être, mais on ne sait jamais avec les Seahawks. Mad Dog is in the house. Yeah, baby! <laughs> Mad Dog, il a comme entendu. Tom Brady, je vois je voir Tom Brady, je vais arriver dans le chat, ni Mais oui, Tom Brady va être l'analyste sur Fox, puis il va être là. Bon, il est 8 heures, on va accélérer pour mon top 10. Donc, troisième année, on parlait de la guerre télévisuelle. La troisième année. Euh, que Amazon Prime, euh, Prime présente avec Al Michaels et Kirk Hypstreet, qui est quand même un duo très intéressant. Al Michaels, des fois, il y a quand il est écoeuré dans un match, qui trouve le match plate, Il n'est pas gêné de le dire. Yeah, baby! <laughs> et euh, là, depuis, euh, depuis quelques années, je pense depuis l'année passée, l'équipe peut jouer deux fois On, euh, peut jouer deux fois le jeu du sport Le Monday Night Football, ben, il va avoir quatre lundis programme double, donc, il va y avoir des programmes doubles, autant un match sur ESPN, autant sur ABC. Comme je vous ai dit, au Québec, ça ne sera pas pareil, soit un match sur CTV, TSN, ou deux matchs à TSN, vous avez le choix. Ça m'a réveillé. <laughs> ben, bon réveil, mon Mad Dog. Amazon Prime aussi va avoir son deuxième match Black Friday, donc le 29 novembre, le lendemain du Thanksgiving. Donc, c'est Vegas, les Raiders de Vegas qui vont affronter les Chiefs. Donc, on, on va parler des Chiefs. Hein? Vous voyez, les Chiefs vont jouer un jeu du soir, vont jouer des dimanches, comme, comme notre ami a dit tantôt. En tout cas, les Chiefs vont jouer quasiment à tous les jours. Et on répète les euh, Niners, les Niners et les Jets euh, euh, vont avoir euh, euh, les Niners, les Jets et les Cowboys ont six matchs en prime time. Les Niners et les Jets vont jouer deux fois au Monday Night, deux fois le jeudi soir. Et deux fois le dimanche soir, tandis que les Cowboys vont jouer trois matchs le dimanche soir. Ah, mais, mais ils, ils m'ont écouté parce que tu sais, des fois, je suis tellement fatigué le dimanche soir, je veux être en forme pour le lundi. T'es tous bien, t'es tous bien de mettre, euh, tous bien mettre les Cowboys pour bien s'endormir le dimanche soir. c'est plus que chiqué. Euh, deux fois la Monday Night puis un fois le jeudi soir en plus du Thanksgiving donc euh, sont quand même euh, ça fait quasiment sept matchs en prime time si on met le Thanksgiving pour les Cowboys mais semblerait semblerait les Cowboys c'est l'équipe des euh, America's Team c'est ça on oh l'a les modèles aux États-Unis <laughs> ça c'est euh, regardez euh, dans l'écran, euh, c'est des affaires que vous pouvez trouver sur euh, les internets, comme on dit. Euh, donc les cinq équipes qui vont voyager le plus, as les Chargers qui vont voyager le plus avec au-dessus de 43 000 kilomètres sur 36, ils vont changer à peu près 36 fuseaux horaires. Les Dolphins sont le deuxième le plus avec 41 000, dont un voyage en Europe. Euh, les Seahawks aussi, au-dessus de 41 000 kilomètres de voyagement. Les Patriots en plus. En plus d'un... Oh, pauvres les Patriots. Pauvres les Patriots. Come on, man! Non seulement qu'ils vont avoir un calendrier difficile, mais ils vont voyager autant, au-dessus de 40 000 kilomètres. Incroyable, c'est sûr que ça l'aide pas... Mais ça peut aider une jeune équipe à euh, établir la chimie d'équipe, hein? Euh, les Niners, 39 550 km, donc les cinq équipes qui voyagent le plus. Et regardez avec les cinq équipes qui vont voyager le moins. Donc on a les Chargers qui vont envoyer, qui vont voyager au-dessus de 43 000 et les Commanders c'est l'équipe qui vont voyager le moins avec 16-17 000 kilomètres. Donc les Bengals sont toujours là les amis parce que tu sais les Bengals, Cleveland, Ohio, tu sais division Pittsburgh c'est tellement proche. Donc, euh, Pittsburgh, les Bengals sont tout le temps là, à peu près. Euh, mais il y a les Falcons qui ne voyageront pas euh, si beaucoup. Donc, ça, ça va être bon. Ça va être bon pour notre ami Kirk Cousins. Les Colts outils font partie du, euh, du, des cinq qui vont voyager le moins. Euh, les Commanders, ben, euh, comme j'ai mentionné tantôt, dans la division, ça ne voyage pas beaucoup. Et, qu'est-ce qu'on a mentionné? Ils vont. Euh, je pense qu'il s'en va un peu plus dans le sud pour l'Américaine Sud. Ils, en tout cas, contre les divisions, ils voyageront pas tant que ça. On a parlé des Steelers. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qu qui se passe Bon, bon ben. Bon ben, bon ben. J'ai vu passer sur un site qu'apparemment, la NFL a ajusté la cédule des Chiefs pour que Taylor Swift puisse assister au plus de matchs possible. Euh, Est-ce que c'est une confirmation réelle Je ne sais pas. Je l'ai lu, moi aussi. Mais comme vous avez vu, euh, Taylor Swift a augmenté le nombre de partisans de la NFL l'année passée. Elle a amené des jeunes petites filles à suivre du, du football, à commencer à suivre le football. Donc, comme le disait Nicky Glazer dans le rose de Tom Brady, euh, on va remercier Taylor Swift parce qu'elle nous a donné l'autorisation de suivre la NFL. <laughs> <laughs> yeah, <baby. rire> Donc, est-ce qu'ils ont fait ça? Ça se peut. Euh, ça se peut. T'as ainsi longtemps qu'on parle de Taylor Swift, puis on la voit à la télé de la NFL, comme tu dis, Money Talks, puis on suit. Les Steelers, il fallait que j'en parle. L'année passée, ils ont eu une fiche de 10 victoires, 7 défaites. Ils ont perdu en wildcard contre les Bills. Les Steelers, selon la fiche des adversaires, ils ont le troisième calendrier le plus difficile dans la NFL, donc ils ont une fiche de 533. Nous, tantôt, on a dit que c'était le calendrier le plus difficile parce qu'ils vont jouer contre des équipes selon le nombre de projections de victoire. Donc, ça, ils passent du troisième au premier. Les Steelers ne joueront pas contre une équipe qui n'a pas de fiche perdante à partir de la semaine 11, les amis. À partir de la semaine 11, quand tout, tout est en jeu, j'ai l'impression qu'on va peut-être vivre la première saison perdante à notre coach Mike Tomlin. Est-ce que ça va être assez difficile aussi pour qu'il soit peut-être aussi congédié? Ça fait quand même une coupe d'année qui est comme sur un anti-site aussi, sur un siège éjectable. Mais à partir de la semaine 11, regardez ça. À partir de la semaine 11, qu'on Baltimore, on s'en va à Cleveland, on s'en va à Cincinnati. Trois matchs de... Quatre matchs de division de suite, les amis. Ça n'a pas de Christy d'allure. Fait que le gars qui a fait le... Tu sais, quand on dit le gars va tout considérer ça, je pense que le gars a complètement oublié, négligé les Steelers. Les Steelers de Pittsburgh. Pas à peu près, là. Tu sais, Baltimore-Cleveland, Cincinnati-Cleveland, les Eagles, les Ravens encore... Kansas City, Cincinnati. Donc, dans les, les sept dernières semaines, deux fois Baltimore, deux fois Cleveland, deux fois Cincinnati. Puis, by the way, on rajoute les Eagles, puis Kansas City. What C'est incroyable, les amis. Pauvre, pauvre Bombin, pauvre Max Lacloche. Mon sexy Jimmy dit pas grand-chose, il est crampé. Pas à peu près. Yeah, baby. <laughs> Mon chum Nicolas capote. <laughs> ah, les rated. <laughs> Sexy, les rated. Les ratings descendent, Tony. Deux ou trois ans avec un des calendriers le plus difficiles pour les Steelers. Oui, ben, il y a deux matchs contre les Ravens dedans Normalement, c'est deux victoires. Oh! Oh! On est, on est encourageant? On est encourageant ici? Hello? You play to win the game? Euh, on y va rapidement les amis, les autres équipes que j'ai pu voir constater quelque chose d'intéressant dans, dans le calendrier qui peut aussi affecter la performance de l'équipe et les résultats de fin d'année. Ben, les, les, les Cowboys, les Cowboys ils ont, quand même, ils ont quand même un bon break dans leur, dans leur calendrier. On l'a dit l'autre fois, la semaine passée ou le deux semaines, on va prédire une fiche de 17-0. Euh, en saison régulière pour les Cowboys, puis une fiche de zéro victoire, une défaite en série pour les Cowboys. What the Donc, je suis... <laughs> Mais non, c'est ça que ça veut dire. Depuis trois ans, les Cowboys ont une fiche de 15 victoires, trois défaites. Donc, euh, après la semaine 10, les Cowboys vont avoir cinq matchs de division qui, normalement, leur seront favorables. Début favorable, parlant de favorable, début favorable pour les Niners. Donc, avant d'affronter euh, les, euh, les Chiefs en semaine 7, les Niners, ben, ils affrontent les Jets en première semaine, vont être au Minnesota deuxième semaine, les Rams, les Pats, les Cards et les Seahawks. Donc, c'est quand même un bon début, un début pour, euh, pour bien jouer, aller chercher ces victoires-là, être capable d'être en santé pour le deuxième blitz de la saison, la deuxième moitié de saison. Puis... Être capable de gagner le maudit, le maudit, maudit match du Super Bowl, hein? Hello, you play to win the game. Moi, je bois un bon verre de caribou avec du miel avant de me coucher. <laughs> euh, c'est prenable aussi contre les Cleveland, oui. Oui, ils y, y, y ont, y ont une bonne fiche de division. Euh. Bon, ben, là, les Steelers, mais ben, c'est quand même sur papier, c'est quand même incroyable comme comme cédule, puis euh, en tout cas, on leur souhaite bonne chance. On va voir, rendu là, qui de Russell Wilson et de Justin Fields vont être des séries. Les Bears, quand ça va bien, les amis, la NFL aime bien ça. C'est quand même une équipe qu'on essaie de regarder le plus possible à la télé, c'est euh, un peu comme les Cowboys, tout ça. Là. Donc, les Bears sont absents des séries depuis 2020. Donc, euh, on risque, on va voir souvent Caleb Williams au niveau national dans la télé. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à suivre. Donc, quand il y a de la pression télévisuelle, on a hâte de voir un jeune. En tout cas Caleb Williams, beaucoup de pression tout de suite en partant. On a hâte de voir ça. Euh, une route difficile pour le treep des Chiefs. À mon ami Big Will, puis tantôt, je pense que c'est Pascal Metta qui me disait ça. Donc, oui, oui, effectivement, les Chiefs, pendant l'année, vont jouer à tous les jours, sauf le mardi. Ça ça fuckes-tu un calendrier, une préparation de la semaine? What the f Écoute, quand tu joues le jeudi, semaine courte, après ça, tu vas jouer. Il va jouer euh, les Chiefs vont jouer à Noël un mercredi quand ils vont avoir joué peut-être le dimanche d'avant. Euh, les lundis, tu joues le lundi, tu rejoues le dimanche. En tout cas, il va y avoir beaucoup de semaines courtes pour les Chiefs. Mais on fait beaucoup confiance à l'équipe de coaching. Mais les Chiefs, ça là, c'est un facteur vraiment à considérer. Pendant la saison, on va suivre ça de très près, mais c'est quand même une route difficile pour le 3-peat. Adam Schefter, after nine NFL seasons, Eagles, Devante Parker has decided to retire, he said Monday night. Ah, oh, Devante Parker, qui était, qui était mon choix des Dolphins, je l'avais réussi. Euh, je pense que c'était au sixième rang, je l'avais bien calé. C'est malheureux. Donc, euh, en tout cas, ça n'a ça pas, pas bien été. Euh, la santé ne l'a pas aidé, souvent blessé. Donc, euh, c'est donc ça. Bon ben qui dit, la FC North, reste la division la plus difficile, la NFL. Donc, et les Jets, je vais terminer avec les Jets. Je salue mon ami PID67, donc le patriarche de nos... Euh, de, de Big Will et de Burger Time de notre famille Bérubé dont les peintures Bérubé sont le partenaire officiel de la Blitz NFL, euh, qu'on remercie euh, grandement de leur soutien pendant toute euh, cette saison. Les Jets, faites attention. Le bon vieux Aaron Rodgers, on parlait des Chiefs tantôt, des semaines écourtées, puis des semaines fuckées, que tu t'as pas de routine, tout ça, ça risque d'être difficile dans le corps. Mais Aaron Rodgers, deux matchs le lundi soir, deux matchs le jeudi soir, deux matchs un dimanche soir et un autre match à l'international. Ça c'est sept fois en onze semaines. What the f ça là, je vous le dis tout de suite, ça va avoir un impact sur le résultat. Ça va être très 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 difficile et on a hâte d'avoir notre ami Aaron Rodgers. Comment qu'il va gérer tout ça <laughs> Ça, c'est tous des facteurs qu'on va peut-être considérer quand on fait des prédictions, justement. All right, les amis. Donc, on s'en va. On s'en va. Euh, on s'en va voir notre top 10. Mon top 10 des matchs à surveiller à l'instant. Entièrement d'accord avec toi. Euh, Burger Time. Hey, bonne soirée, Labri. Merci d'avoir été là. Tout le monde, on met tous les emotes de Team Labri, ils nous quittent. Donc, on le salue notre modo Labri qui a son propre emote. Sexy Jimmy et sont jaloux en ce moment. Fait que je leur prépare une petite surprise en septembre, sûrement. <laughs> Donc, Pascal Metta qui dit le dollar est plus important que la santé des joueurs. On le voit bien. Tout à fait, tout à fait. Euh, oui, surtout quand les réseaux, ont, euh, la, la gare télévisuelle aussi, a le dernier mot à dire aussi. Burger Time qui dit, Pit 67 écoute. Il écoute Tony, fais attention. J'ai l'impression qu'il va être très impressionnant. Qui sont les jets? Tu me What the f <laughs> Ok. On va suivre ça de très près. Alright, les amis. Le top 10 des matchs à surveiller. Mettez ça à votre agenda. Ça va être quand même des matchs intéressants, mais on va le répéter tout au long de la saison. On commence. Let's go! Numéro 10 À la semaine 7, les amis, les Falcons de notre ami Fortinoza vont affronter les Vikings. Donc, ça va être... Est-ce que, rendu à la semaine 7, Kirk Cousins, qui va affronter son ancienne équipe, et peut-être que les Vikings vont peut-être faire jouer leur choix du repêchage J.J. McCarthy. Mais là, l'autre problème, c'est avec toute la bisbée et l'arrivée de Michael Penix. Si jamais les, les Falcons, ça va pas bien chez les Falcons, est-ce que rendu à la semaine 7, on peut voir Michael Penix Jr.? Uh, I don't know. Oh, come on, man. Mais non, on va attendre. Spencer, c'est quand déjà? Normalement, un jeune corps arrière qui. Un autre cas avant de le lancer dans la mêlée, on attend toujours le Thanksgiving. Donc, on risque d'avoir voir Cousins affronter son ancienne équipe. Donc, Cousins de retour au Minnesota à la semaine 7, mais on va peut-être affronter J.J. McCarthy. Comme vous le savez, on ne sait pas s'il va être le cas partant. En ce moment, il y a Sam Darnold qui est le cas euh, partant numéro 1 des, des, euh, des, des Vikings, les amis numéro 9 On en a parlé tantôt à la semaine 8 le duel des deux premiers choix au repêchage donc Caleb Williams contre Jaden Daniels Williams avec les Bears et Daniels qui a été choisi numéro 2 J euh, Jaden Daniels qui va être dans une nouvelle équipe coachée par un nouveau coach euh, une nouvelle équipe d'entraîneurs, une nouvelle culture, tout ça, on a bien hâte de voir ça donc quand même intéressant ce match là à la semaine 8 le duel entre les deux premiers choix au repêchage. Numéro 8. On salue Tapajars in the House. T'arrives, il prend la relève à l'abri qui vient nous quitter. Nous numéro 8, mettez ça à l'agenda, semaine 12. C'est le deuxième Arbo Ball, les amis. Le Arbo Ball. Donc les frères, John Arba, coach des Ravens, va affronter son frère Jim Arbaugh, qui est maintenant coach des Chargers. La première édition. Du Harbowl, ben ça a été au Super Bowl entre les Ravens et les Niners. Donc, vous vous souvenez, c'était tu le Super Bowl qui a eu une panne à Nouvelle-Orléans, je pense, aussi, une panne d'électricité. Mais euh, les Ravens qui l'ont emporté face aux Niners. Et cette année-là, Jim Harbaugh coachait notre ami Colin Kaepernick. Hein? Donc les Chargers, donc deuxième Harbour Ball à semaine 12. Entre les Ravens et les Chargers. Numéro 7. On l'a mentionné, ça va être quand même intéressant. Tant qu'à faire de l'argent, comme on a dit tantôt, Pascal, hein? Premier match au Brésil et un vendredi. Donc un premier match un vendredi depuis 1970. Je pense que c'était Burger Time ou Big Will qui m'avait dit non, c'est pas la première fois. Donc oui, la dernière fois qu'il y a eu un match un vendredi, ça a été en 1970. Donc, premier match. C'est le premier match de l'histoire au Brésil et un vendredi, donc semaine 1, le 6 septembre, un vendredi soir. Incroyable. Incroyable. Ça, surtout si, il fait beau au mois de septembre, hein, ça, va, ça risque d'être un méchant tailgate dans une cour, un bon barbecue, puis t'écoutes la, 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 la game après. Là. Ça va être incroyable. Incroyable. Numéro 6. Souvenez-vous du match bizarre en 2023 entre les Lions et les Cowboys avec l'affaire du 2 points. En tout cas, comment s'appelle Le coach des Lions, euh, Campbell, le coach des Cowboys qui font des décisions. Euh, décisions. Euh, Excusez-moi, là. Décisions de merde, là. Ah! Tu sais, ça a été une fin de match incroyable. Ben, les Lions et les Cowboys vont s'affronter encore une fois euh, à la semaine 6. Donc, match intéressant en direct du ATT Stadium à Dallas, les Lyons, qui, là, encore une fois, on a encore de grosses attentes. Jared Goff, qui est maintenant l'un ou le corps, ailleurs le mieux payé, là. Celle-là, je ne comprends pas, là. What the Mais en tout cas, et quoi. Mais en tout cas, ça va être un match qu'on va essayer de suivre. Là. Deux coachs que j'aime plus ou moins bien en passant. Hein? C'est ça. <laughs> Numéro 5. Euh... Bon, 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 on parle politique Fortinosa. On est aux États-Unis, là. C est, c est, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils s'en foutent bien de nous autres. <laughs> euh, euh, la machine a imprimé du cash. Next. Yes, sir Rogers. <laughs> bon, ça y est, Burger Time qui encourage son père. Ben, c'est le retour d'Aaron Rogers. Hello. You play to win the game. Ah! Donc, est-ce que Aaron Rodgers va toffer plus que quatre jeux? Ça, c est... C est plus que... Donc, la semaine 1, c'est le retour d'Aaron Rodgers. C'est un match du lundi soir entre les Jets et les Niners. Donc, c'est à San Francisco. On sait très bien les Niners sont encore l'un des favoris à aller au Super Bowl. Une des plus grandes équipes. La plus grosse équipe. L'une des plus grosses équipes dans la nationale. Les Jets... Ben, les Jets, avec tout, en tout cas, je ne sais pas, euh, tu l'année passée, on a tellement mis de match en prime time à cause d'Aaron Rodgers, puis là, il s'est blessé, puis là, on était pogné à avoir Zach Wilson pendant les prime time, puis là, cette année, ben là la NFL est confiant que Aaron Rodgers Aaron va, va, va être là, puis va va attirer des téléspectateurs. Mais vous avez vu tantôt le, le genre de match? Euh, qui vont le genre de calendrier qui vont avoir 7 matchs en 11 semaines en prime time avec des heures fuckées. Je suis pas sûr qu'on va être content de voir les Jets en prime time. Mais il faut revoir Aaron Rodgers avec tout ce qu'on a dit de lui, là c'est le temps de l'évaluer pour une dernière fois. C'est cette année, c'est l'année charnière pour Aaron Rodgers. Je vous le dis tout de suite, soit qu'il prend sa retraite ou il va continuer. Mais j'ai pas vraiment confiance le gars là il. En tout cas, oui. cas qu'il s'en aille ailleurs. <laughs> Let's go. Come on, man. Euh, C'est qui le deuxième QB à star? Je sais même pas, Fortinoza. Je, je m'en fous bien raide. <laughs> Rogers va être en forme. mais Oui, j'espère. J'espère qu'il va être en forme. Ça fait une saison qu'il ne joue pas. Aïe, aïe, aïe. Numéro 4. Stephen Diggs. Il n'est plus un Bills de Buffalo pour les amis. All right? Stephen Diggs, il est maintenant avec les Texans et les Texans vont recevoir les Bills. Donc Stephen Diggs contre son ancienne équipe, on a hâte de voir comment CJ Stroud va gérer, gérer une diva comme, comme Buffalo. Et euh, donc, hey, wow. JB1 à 12, comment ça va? Is in the house? Yeah, baby! <laughs> comment ça va, mon Guy? Merci d'avoir fait un tour. Oui, ça va super bien. On est à la fin, il reste quelques minutes. On analyse le calendrier 2024. On essaie de donner le goût à nos gens d'aller faire un petit voyage ou d'écrire en notes les matchs à surveiller. Donc euh, yeah! merci beaucoup, euh, euh, Guy. Guy que j'ai eu la, la chance de, de, de faire un, une levée de fond avec lui, j'ai assisté à une levée de fond de notre ami Guy jeudi passé avec des amis euh, très chers donc euh, ça a été une excellente soirée très belle organisation ça fait une... On, on, on a bu beaucoup de vin une soirée vin et fromage <laughs> hein? euh, ouais beaucoup beaucoup de beaucoup de vin yeah, baby. <laughs> je parlais pas beaucoup de football ce soir là Merci beaucoup pour les 100 bits. C'est très gentil, Guy. Très, très, très gentil. Le gars à Guy, justement, est un, un grand skieur. Euh, un grand skieur qui fait de la compétition. Donc, euh, en tout cas, beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Wow. Un peu croche à la fin. Toi, t'es un peu croche. Moi, je <laughs> t'accroche. Yeah, baby! <laughs> euh, donc, Stephen Diggs, la diva. Mais euh, faut, on a hâte de voir aussi les Bills avec Josh Allen, mais on va en parler un peu plus longtemps, plus en détail, lorsqu'on va faire les prédictions et lorsqu'on va parler de euh, la saison prochaine. À noter les amis, la semaine prochaine, soyez des nôtres. Vous allez prédire. C'est le jeu des prédictions. On va prédire tous les champions de division, tous les champions de conférence et votre champion du Super Bowl. Ça va être vraiment vos prédictions. Avec les prédictions, euh, mes prédictions à moi, et, euh, et, et on va partager aussi les prédictions à notre ami Simon. Euh, on va l'inviter. Je ne sais pas s'il va être là. Mais, euh, mais soyez des, euh, On a besoin de vous parce que c'est des sondages. Donc, on va présenter les sondages à l'écran. Vous allez voter pour qui va être les champions de chacune des divisions. Puis on va vraiment terminer la saison 3 de Le Blitz NFL avec cette émission-là. C'est un jeu des prédictions et je vais être en congé au mois de juin, mois de juillet, de retour le premier lundi du mois d'août, si tout va bien, mais suivez les réseaux sociaux pour avoir la date exacte. Numéro 3. Oh, le match de championnat, les Lions naissent, hein? c'était ça. Les Lions avaient une bonne avance. Ils, ils dominaient ce match-là contre les, les Niners. Donc, c'est le match revanche à la semaine 17, les amis. Donc, ça risque d'être un match aussi, un preview des séries qui vont s'en venir après. Donc, on, on va parler du passé et on risque de parler du futur. Donc, les Lions qui visitent les Niners à Santa Clara à la semaine 17. Donc, match revanche des Lions. On va voir comment que les Lions qui sont plus connus comme des, des cols bleus des joueurs qui jouent, qui se tuent, genre, qui se battent pour leur victoire, contre une équipe qui est très, très, très psychologique, très plan de match avec Carl Shanahan et tous les joueurs. Les Niners qui sont très bons des deux côtés du ballon. Donc, les Lions contre les Niners à la semaine 17. Numéro 2. Parlant de match de championnat dans l'AFC, c'était les Ravens contre les Chiefs. Mais c'est tout de suite en partant semaine 1. Moi, pour moi, là, je vais être honnête, je ne mettrai pas de l'argent sur ce match-là. Et la semaine 1, c'est comme le prolongement de la présaison. Donc, les joueurs sont plus ou moins préparés. Les partants jouent de moins en moins pendant la présaison. Donc, vous euh, vous en souvenez, l'année passée, les Lions ont battu les Chiefs à domicile. Mais c'est quand même les Ravens contre les Chiefs. C'est de la bonne télé. C'est de la bonne compétition. C'est Patrick Mahomes contre Lamar Jackson. Why not pour commencer l'année en beauté? Ça va être encore un autre si fait beau, un autre tailgate. Tab, nous, ça va coûter cher de boisson. Hein? <laughs> oh, come on, man. Donc, semaine 1 et Ravens face aux Chiefs. Et le numéro 1. Numéro un. La semaine 7, les amis, les Chiefs contre les Niners. Est-ce que ça va être l'avant-goût, le, le preview? Est-ce que ça va être ça encore l'année prochaine, le 9, le 9 février 2025 en Nouvelle-Orléans? Est-ce que ça va être les Chiefs contre les Niners? Est-ce qu'on va encore revoir les deux mêmes équipes au Super Bowl? Est-ce que les Chiefs vont se battre encore pour le Super Bowl pour un troisième championnat consécutif qu'on n'a jamais vu? On ne sait pas, mais ça va être quand même un match très intéressant. Rendu à la semaine 7, il y a un certain rythme qui commence à avoir, puis on va voir où ce que justement ces deux équipes-là, à qui qu'on pense qu'ils vont devraient répéter la performance, on devrait les revoir encore au Super Bowl? Donc, on va voir à la semaine 7 si nos questions vont être déjà tous, toutes euh, répondues. Ou on va se poser bien des questions. Ou est-ce que c'est un déclin pour une des deux équipes? Un déclin pour les deux équipes. Est-ce qu'on risque d'avoir des blessures sérieuses dans l'une de ces deux équipes-là? Donc, c'est mon match numéro un à surveiller à la semaine 7. Je n'ai pas parlé de Russell Wilson, euh, Russell Wilson à Denver. Parce que, bon ben. Je ne sais même pas si c'est Russell Wilson qui va être le corps arrière à Denver. Donc j'avais hésité euh, de le mettre, même je me souviens, au numéro 10. Je ne l'ai pas mis. J'ai décidé de mettre, j décidé de mettre euh, Cousins et peut-être JJ McCarthy. Mais euh, Russell Wilson euh, à Denver, si je me souviens bien. On va regarder ça vite, vite. Euh, C'était quelle semaine, Bonvin? Tu vois, toi, tu l'as noté. Là. Euh, ta, 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 ta. En tout cas, ça paraît que je suis pas les Steelers. Mais Sexy Jimmy m'a dit, si tu parles des Steelers, on va perdre des spectateurs. Puis déjà, 20h28, les amis. Les amis, j'espère que vous avez aimé notre émission sur le... Euh, whoops, 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 whoops. J'espère que vous avez aimé. Hey, ça allait super bien. J'ai pas fait de fumble. Hein, hein, sexy? Pour une des rares fois, je faisais pas de fumble. Tabarnouche, je viens de fumble à la ligne de 1, à la fin. Euh... Ouais, ils sont fun à voir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, poutine gracers. Hey, là, là, tabarnouche, là. Ça marche pas, mon affaire. Qui c'est qui joue... Qui joue avec mon ordi. Bon. Euh... Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé. C'est une de mes émissions le... que j'aime le plus faire. Euh... C'est une de mes top 3 émissions qui est aussi souvent regardée, souvent écoutée. Merci d'avoir été là, comme je l'ai mentionné, où que vous soyez, quelle que soit la manière dont vous nous écoutez et regardez. Merci d'avoir fait partie de votre journée, cette belle journée, euh, cette ce belle journée, Fête des Patriotes, qui a fait au-dessus de 30 degrés à travers la province euh, de Québec. Donc j'espère que vous avez parti de votre piscine, tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon long week-end pour plusieurs. Il y en a qui ont travaillé fort, dont notre ami Poutine Graisseuse, qu'on aime beaucoup. Euh, Euh, écoutez, la semaine prochaine, je veux que vous écoutez, soyez là. La semaine... OK. Euh, et là, excusez-moi, là, j'allais voir. Il n'y a pas grand monde sur Twitch. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que la semaine prochaine, soyez-y. Vous allez participer le plus possible. Vous allez faire les prédictions. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, toute la gang. Merci beaucoup. Merci à hey, 80 heures de travail. Tabarnouche. Wow, Poutine. Wow, wow, wow. Chapeau. Chapeau. On salue notre ami. On salue notre ami Poutine pour 84 heures de travail. Ouf. Yeah baby. <laughs> en tout cas, tu mérites plus qu'une Poutine ou deux pour ça, hein? Euh, donc, un gros merci à toute la gang. Euh, merci à euh, GB de 1 à 12. Merci Guy qui a envoyé 100 bits euh, euh, durant la soirée. Merci toute la gang de renouveler votre abonnement. Vous êtes incroyables. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez sages, soyez gentils. Euh, je vous aime et j'ai hâte de vous voir pour notre dernière de la saison 3, lundi prochain, 27 mai à 19h01 de Québec. Pour le jeu des prédictions, euh, vous avez été incroyable pendant toute cette saison-là, mais je vais faire mes remerciements la semaine prochaine. Merci beaucoup à Mimodo de m'avoir euh, protégé. Excellente ligne offensive, Mimodo. Donc, euh, on n'a pas eu d'invasion espagnole ce soir. <laughs> ah, hein? Yeah baby <laughs> Donc, bonne soirée toute la gang. On se voit la semaine prochaine. Merci. Merci encore à la hauteur du Grand Antonio. À la semaine prochaine. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Vous avez été incroyable, les amis. À la semaine prochaine. Merci. Salut, amateurs de football. Vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commentent les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com.